Voilà. Mettre un petit peu de fixe prêt. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Que vous dire hein, sur cette palette? Moi, c'est une palette que j'aime beaucoup, qui a souvent dont on parle relativement peu, et le peu dont on en parle, bah, quelquefois, c'est pas toujours, sont pas toujours de très très bons retours. C'est vrai que moi, j'avais surtout vu éventuellement des vidéos où les gens disaient que c'était pas forcément très très bien pigmenté sur les yeux. Alors peut-être que c'est lié à la technique hein, pour appliquer les fards irisés, mais très très honnêtement, moi quand je regarde mes yeux, j'ai l'impression d'avoir des yeux, c'est d'avoir mis du papier aluminium dessus, parce qu'il y a vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de reflets. Je ne sais pas si vous les verrez forcément à la caméra, mais vraiment c'est une très très belle palette. Donc aujourd'hui on a fait quelque chose d'assez soft, mais bon, je vous ferai quelque chose d'un petit peu plus intense, peut-être un petit peu plus graphique hein, sur de prochains tutoriels. Mais voilà, donc moi je voulais vous la présenter parce que c'est vraiment une palette que je trouve extrêmement belle. Je vous rappelle que vous avez ici 6 fards qui sont mat, là vous avez 8 fards qui sont irisés, en sachant que ce fard-ci et ce fard-là sont également des fards qui sont considérés comme des top coats, donc qui peuvent apporter un effet, une dimension complètement différente à votre maquillage. Et je trouvais, bon, c'est vrai que moi je l'avais acheté à 45 €, je crois que j'avais eu 25% de réduction avec une offre gold, et j'avais quand même été contente. Mais très franchement, si c'est une palette qui vous intéresse, là elle est vraiment pas chère, et je vous conseille d'en profiter. Pour ce qui est du tutoriel d'aujourd'hui, bah écoutez, on va en rester là. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final, et on se retrouvera dans la prochaine vidéo où bah, je vous montrerai ce que j'ai trouvé en faisant les soldes, et éventuellement quels sont les bons plans que j'ai repérés et que je partagerai avec vous. À bientôt, bye.